Et salut tout le monde, c'est Kabuda 50. Alice. Et. Il voulait le manuscrit parce qu'il pensait qu'il avait un pouvoir magique. Ouais, et aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 5 je devais rejoindre Barry. De mon let's play sur Alan Wake. Et. Là, il est en train de parler pendant que je parle et j'aime pas ça. Donc tais-toi, chut. Donc, alors là, on était la dernière fois, on est tombé du petit ponton hein, et l'autre il s'est enfui, donc vous en rappelez, je pense. Alors. Nous allons le pourchasser. Ok, ça fait peur. Oh la merde, je suis tombé dans le vide. Merde. Alors, est-ce qu'on peut tomber dans le vide dans ce jeu? Je ne sais pas, je vais pas essayer. D'accord, il y a des pièges à ours, donc c'est pas bon signe. Ah oui, en effet, merde. D'accord, ils mettent des pièges à ours sur les chemins, normal. Alors, voilà, en plus ils sont éclairés, donc on les voit direct. Bon. Là, il y en a un. Je gîte un peu, hein. On sait jamais. Peut-être des trucs cachés. Qui sait? Ouais, je cherche les machines cachées là, je sais pas ce que les caisses. Il n'y a pas l'air d'en avoir. Ouais. En fait, j'aime pas trop, hein. Je peux vous cacher, j'ai. D'accord, il y a un bruit un peu chelou. Ok. Ah merde. Putain, je l'ai même pas vu. What the fuck. Oh my shit! Ah oui d'accord, putain, tu t'es chopé dans un piège, t'es... En plus, bizarrement, je sais pas, j'ai rien pris comme dégrésivement là, ma vie est en train de remonter là, donc bon... Putain, moi, s'il me fait prendre le pied dans un piège à ours, putain, chaud. D'ailleurs, je l'ai même pas vu celui-là. Excusez-moi. Alors, d'accord. Alors, une maison un peu chelou. Alors, traverser les bois. On va passer par là. Ok. Huh. Faut pas que je tombe. Alors, est-ce qu'il y a encore des pièges à ours? Je sais pas du tout. Putain! Oh, enfoiré! Oh merde! Putain, j'ai pris cher! Oh là là, bien. Ah merde. Alors, il en reste un. Ah, il est là. Ah, ça y est, déjà. Alors là, je me suis fait un peu violer, je les ai même pas vu sortir quoi. Bon, heureusement que je suis en normal. Hein. Ah. Donc il y a encore ça, putain. Oh là 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 là. Putain. Il n'y en a pas encore un. En principe, ils sont jamais seuls. Hein. Donc bon, faut faire gaffe, les amis. C'est jamais. Oh là. Ok. Ouais, ça n'a pas l'air très rassurant encore. Ah. Bon. J'ai même plus de fusée éclairante, je crois. Non. Oh l'enfoiré. J'ai une idée, putain. Pourquoi j'ai pas allumé là? Il y a un truc là. Ouais, j'essaie d'allumer. Attention, c'est showtime. Merde. Allez! Allez! Ouh, la chatte.
Donc là, dès qu'en fait qu'on reste dans la lumière, bon, on craint plus rien, voilà. Bon, dès qu'on sort, ils vont apparaître en principe. Ah non, bah en fait, ouais. le con alors qu'il s'est fait prendre, il était trop près de la lumière, donc il a grillé. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'il y en a par ici? Poche de manuscrit, on a un fusil. Non, c'est une carabine. Ah oui, ça c'est pas mal ça, tiens. Ça va être un peu mieux que mon petit revolver de merde. Et les deux autres qui étaient en bas, donc du coup ils sont... Oula, j'entends du bruit, donc bon. Lumière. J'ai peur. J'ai peur, les amis. Bon, visitons un peu, peut-être qu'il y a des trucs cachés. Ouais. Bon. Et là-bas, il y a un avion. Putain, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent d'où? Ils arrivent d'où? Ah, ils sont là. Bougre! Ah oui, c'est efficace la carabine. Donc là, faut aller par là, je crois. Ouais. Centrer la vue. Ah, là, il y a une flare encore. Ah non. Entendu l'avion tomber. Ça n'avait aucun sens. Il venait clairement de s'écraser ici. Et pourtant, il était très vieux et n'avait manifestement pas volé depuis des années. À sa vue, je fus pris de frisson. Alors, apparemment, il y a un avion qui s'est craché, mais j'ai rien entendu, moi. Ah oui, allez. Il y a ces trucs bizarres là. C'est bizarre. Plus éclairé aussi, mais. Je sais pas ce que c'est en fait. Ouais, ah oui, c'est ça. Attendez, je crois que j'ai vu une marque, ouais. Donc il y a un truc caché. Bon, ça fait pas très là-dessus, là, les amis, là. Alors attendez, parce que bon. Ah, en effet. Il y a un petit truc, alors ouvrir. Des flares, voilà. Ça peut toujours servir, ça. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est très efficace. Alors, il y a quoi dessous encore? Il y a un truc là. Ah non, c'est pas qu'hallucine, il n'y a rien du tout. Ok! Courons, les amis. D'accord. Ok. Bon, tout va bien. Aïe. Ouais, donc je peux pas passer. Bon, il y a des petits bugs parfois, c'est pas grave. Ah. D'ailleurs, je vais à la fin du jour, je ferai une petite annonce. D'ailleurs, que je referai dans... Je pense maintenant. Oh shit. Dans les flares. C'était pas très malin peut-être de leur balancer là la flare, bon c'est pas grave. En plus il y avait un générateur juste là. Donc à la limite j'aurais pu les faire démarrer. Oh putain. Ah non. Putain l'enfoiré. Attends j'y ai. Allez, allez, allez. Ouf, chaud. J'ai eu de la chance, hein. Hop, donc là du coup, bah, moi, on pense à la lumière et je risque rien, mais bon. On va un peu bouger, c'était juste pour sentir un peu de cette merde. Alors, traverser les bois, donc là je suis bientôt à la fin. Moi, bon, je trace un peu, mais bon, là, putain. À vrai dire, c'est... voilà quoi. Putain, ils te prennent par surprise les... Le Taken. Alors... Ah d'accord. Attendez, là-bas une lumière, je vais essayer d'aller. Avec un peu de chance, je vais y arriver. Ou pas. Si j'ai réussi, léger.
En voilà, on n'est pas obligé de les tuer, on voit la lumière, puis ils disparaissent. Plus trop pratique. Trop pratique. Oula, on est où là? Ah, ça vient d'arriver au moulin. Alors. Moulin. Oh merde. What the fuck? Ok. On a failli se tomber. C'est la figure. Aïe, oula, il y a encore des trucs. Hein. Je sais pas si ça fait des dégâts qu'on marche dessus, mais bon, je préfère pas tester. Donc, je préfère les enlever. D'ailleurs, tiens, bon, on est pas obligé de concentrer les rayons. On peut juste faire comme ça, mais bon, ça prend plus de temps. Hein. Ah là là. Alors, il y a un truc là-bas. Ah oui, d'accord. Attendez, parce que là, il y a un truc aussi, je vais aller voir. Voilà. Je vais juste voir s'il y a un truc. Bon, une page de manuscrit encore, et puis sinon, c'est tout. Ah là là, putain, j'ai déjà gaspillé toutes mes flares. Alors là, faut. Oh oui, faut un petit peu sauter! Ouf, ça va, j'ai réussi. Ça va, les sauts sont plus faciles que dans Minecraft. Ah, des flares, ça c'est cool. Alors, comment on fait pour monter à une échelle là? Hop. Donc la lumière venait de là tout à l'heure, je sais pas si vous vous en rappelez, mais. Il n'y a plus rien en fait, c'est. Normal. Après, oui, la lumière venait de là, je crois, ouais. Oula. Ok. Ok. Ça a pas l'air trop stable. Alors. Oh putain. Putain, je. Putain, résistant lui, ce bougre. Trêve! Voilà. Oh, mais le con il est tombé. Oh, le poulet. Alors, le ténèbre porte sa face, enfin son visage. Intéressant. Très intéressant ce garçon. Oula. Ah, des munitions, les amis, là ça va chier. Alors là, il y a un truc caché derrière, bien sûr. Il y a juste une petite page. Bon, je m'attendais à chose de plus intéressant, mais bon, c'est pas grave. Hein. On va se contenter de ça, c'est déjà bien. Ok. Alors, on va passer par là. Traverser les bois. Ouh la merde. Putain, excusez-moi, parce que là, il faudrait que je règle la sensibilité, putain. Alors, faut que je m'achète une manette de. Un pad, quoi, parce que sinon, là. Putain, c'est impossible! Allez, fou. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, voilà, on est déjà plein. Oh putain. Oh la, what the fuck? Oh le bougre! Non, non! Putain, je vais prendre le. Putain, il me gave, hein. Quelles sont résistants ces merdes? Allez! Putain, il faut. Voilà! C'est comme des boss, j'ai l'impression, parce que du coup, il faut mettre 32 balles pour qu'il crève. Voilà! Ah, on arrive, la lumière là-bas. Tiens, qu'on voit la lumière, on est tout content. Oh. Ah là là! T'es essoufflé. Tiens, c'est un endroit où on était tout à l'heure. Et on aurait pu juste traverser. Hein.
La nage soit plus rapide. Ok. D'accord, bûcheron, c'est un moment très branche. Ok. Ok. Donc il a une tronçonneuse. Ok, bon, je vais me barrer, moi. Attendez, je vais d'abord faire là. C'est sbire. Ah, c'est sbire. Ok, bon, on est dans la merde, hein, je vais pas vous le cacher. Ouais, on va utiliser les flares là, parce que j'ai pas envie de me faire tronçonner. Ça y est, on l'a. Allez. Ouais, donc j'ai pas envie qu'il approche, parce que, avec sa tronçonneuse, bon. C'est jamais, il peut peut-être me one-shotter. Alors. Kaim Greens. Ah, c'est bon, on retourne au. Ah oui. Attendez, peut-être un truc que j'ai zappé. Ne partons pas si vite, les amis. Ouais. Bon, je dois louper des trucs, de toute façon, c'est obligé, mais bon. C'est pas très grave. Ah, ouh, ça y est, là je suis plus rassuré déjà. Ah, téléphone. Marie? N'ouvre pas la porte. Reste caché. J'arrive tout de suite. Surtout, garde bien les lumières allumées. Ah ah, donc il y a Barry qui se fait attaquer par des oiseaux. Donc on va. Que je rejoigne Barry au chalet. Mais au moins, j'étais sorti de la forêt. Ah oui, donc là, je crois. Attendez. Donc là, une voiture. Mais faut des clés, je crois. Attendez. Je vais sortir la voiture du garage verrouillé. Ça me permettrait de rejoindre Barry plus rapidement. Et les phares constituent un bonus non négligeable. Oui, ça, hein, les phares. C'est sûr que c'est un bonus pas négligeable du tout. Ok, mais bon, alors les toilettes très rassurants. Alors, ils sont. Ouais, je visite. Hein. Je suis à côté, mais bon. D'accord, petite lumière, c'est déjà mieux. On a quoi ici? Une télé. Alors, est-ce qu'elle marche? Non, elle ne marche pas. Oula, ça y est, elle marche. Une histoire n'est pas une machine obéissant à la volonté de l'écrivain. C'est un être vivant, indomptable. On peut la créer, la façonner, mais à mesure qu'elle grandit, l'histoire nourrit des ambitions propres. Une simple modification peut déclencher une chaîne d'événements se répercutant sur toute l'histoire. Les personnages doivent rester eux-mêmes, et les événements suivre la logique de l'histoire. Une seule faille et la magie n'opère plus. L'histoire meurt et Alice avec. Donc là, il se voit, donc bon, ça. On pense à un des tas. Ok, oh putain! Ok. Oh my god. C'est pas très rassurant, hein. Putain. Moi, j'irais pas habiter à la forêt, hein. Alors, ouais, là, donc il y a vraiment une phase de conduite. Montez dans le véhicule. Donc, attention, les amis. Alors, accélérer, oui. Diriger, voilà. Et freiner, reculer, ok. Attendez, parce qu'il y a un petit truc à faire. Ah oui, d'accord, en effet. Donc, on peut aller... Putain, tu vas crever, toi. Voilà. Donc il y a une. On peut augmenter la puissance des phares et on peut tuer les ténèbres comme ça. Regardez. Enfin non, on peut juste les enlever, mais après on peut les écraser et puis voilà. Bon, je crois que notre voiture a une vie limitée. Donc un dernier. Hop, voilà. Bon, du coup, c'est la conduite est un peu chaud, hein. C'est pas du GTA, hein. Alors, d'accord, j'ai pas vu, il y en avait là. Waouh. Oh, bougre. Donc, c'est bien, ça change un peu des phases classiques, hein.
une planque là. Et il y a pas mal de... Oh putain! Donc voilà, bon, je crois qu'elle fume déjà la voiture. Attendez. Oh, dérapage de fou! Putain, soirée dans Saints Row. Waouh. Excuse-moi, je parle pas trop, mais bon, je suis dans le truc là, putain. Attendez, je sais pas. Ok, là c'est bon. Ah putain, enfoiré. La voiture fume un peu beaucoup, hein. Donc bon. Je crois qu'on peut en trouver une autre après, donc on va un peu... Ouais, attendez, je vais juste d'abord faire ça. Ok. Bon, il n'y en a plus, je crois. J'ai pas envie de descendre me faire agresser, hein. Non, il y en a encore un. Putain, j'arrive plus à conduire. Bon, on va un peu descendre, hop. Alors, voyons ce qu'on a. Fusil à main, fusil à main. Putain, que ça. En plus, il y a un mec devant. Allez, vite, la voiture. Allez! Non, je pense qu'on pourrait pas aller beaucoup plus loin. Vous allez voir, on risque de tomber en rade. Oh putain de... Oh, tremplin. Waouh! Ah ben voilà, qu'est-ce que je disais. Donc, ah, là-bas, il y a de la lumière. Let's go to the light. D'accord, bon, je me fais un peu pour chasser. Putain, je me fais quand même frapper, même avec là. Ah oui. Ça, c'est bien. Et une voiture, donc super. Alors on va continuer. On va un peu les laisser, hein. Je vais un peu continuer. Je vais voir où on en est dans la vidéo là. Ok. Attends, est-ce qu'il me pourchasse ça parce que bon. Non. J'ai pas le. Ah oui, je suis con pour le. Putain, je. Je suis la mauvaise touche en fait. Oula. N'importe pas, Pierrot, allez. Encore un devant. Voilà, on a un peu tracé. Encore une voiture là. Oh la merde, je roulais sur un truc, je sais pas ce que c'était, c'est pas grave, on continue, allez. Attendez, il y a une petite page de manuscrit là, on va aller voir. Donc là, bon, c'est l'endroit où on est arrivé au début, je pense que vous a rappelé. À moins que vous soyez un peu débile là. Allez, ils s'en remontent. Bon, j'ai loupé des trucs, je suis obligé, mais bon. Toutes les pages de manuscrits, je les avais déjà récupérées. Oh putain, le lag. Ah! D'accord. Donc,
c'est bloqué, alors on est... Ok, lance-flare, donc ça je prends. Oui, ouais, le lance-fusée c'est vraiment un truc efficace, hein, vous allez voir. Je vais peut-être utiliser, bon, si y a... Oh l'enfoiré, mange. Voilà, tiens. Alors, je vais peut-être les tirer maintenant parce qu'après on va en avoir besoin, je crois. Oh, non, je vais vous montrer, vous allez voir parce que c'est vraiment efficace. Hop. Et voilà, one shot. Enfin one shot. En fait, ça les immune en même temps, quoi. Donc c'est vraiment efficace. Alors là, il me rappelle, je crois. C'était le ravisseur. Ah non. Espèce d'enfoiré, où est ma femme? Venez jouer, Wake. Donnez-moi le manuscrit et vous pourrez récupérer votre femme. C'est pas compliqué. Écoutez. J'ai besoin de temps pour le terminer. Il me reste encore la fin à rédiger. Il me faut une semaine. Il n'est pas fini. Il me faut une semaine. 2 jours. La mine de charbon de Bright Falls est pas loin. Même un gars de la ville comme vous trouvera facilement. Midi au bâtiment principal. Apportez le manuscrit et vous aurez votre femme. Sinon, suivez. Oui, je vous suis. Ok, oui, en effet. Il y a un peu beaucoup d'oiseaux. Oui, c'est pas des oiseaux normales parce que bon, quand on les met à la lampe. Alors, The Darkness Control the Taken. Donc, Taken, c'est les. C'est possédé, c'est ce qu'on. Voilà quoi, ses ennemis. Hein. Oui, donc là, le lance-flair, on va pouvoir utiliser contre les oiseaux, ça va être très efficace. Oui, en effet, ces piafs sont bizarres. Oh putain de merde. Voilà, ça c'est efficace. Donc là, ouais. On voit rien vu que l'écran est saturé, mais ça les tue d'un coup, hein, les flares. Ah! Foiré. Je commence à prendre un peu trop de dégâts donc bon. Ah, allez putain. Les manches. Putain, tous ceux qui sont morts. Donc là j'en ai plus donc c'est la merde. Espérons que je crève pas. Parce que bon. Écoutez, je continue au flair. Hein. Ok. Je tiens comme je peux. Hein. Donc là, du coup, j'en ai plus, c'est super. Ah, c'est sûr, on vient de partir. Ouh, c'était chaud, les amis. Hein. Putain, tout barricadé le con. Ah non, c'est cinématique, donc je coupe, c'est la fin du chapitre, je crois, donc salut, et puis on se trouve pour l'épisode 6, allez, justement. Quoi que ce soit au sujet de l'île et du chalet disparu,
L'homme voulait un manuscrit. J'allais devoir lui en écrire un pour récupérer Alice. Pour moi, le surnaturel n'avait été jusqu'à présent qu'une métaphore de la psyché de l'homme. Un outil de choix pour écrire une fiction. Et alors que j'y étais réellement confronté, il m'était impossible d'écrire le moindre mot. Oui, Barry Wheeler ? C'est Rose. Rose ? J'ai trouvé les pages de Monsieur Wade. Oh. Super, vous êtes vraiment génial. Vous pourriez venir avec lui, les récupérer ? J'habite dans le parc des mobilhomes hors de la ville. On sera chez vous dans moins d'une heure. À plus tard. À tout de suite. Bonne journée à vous. J'espère que ça vous a plu. Bienvenue au Dear Dinner. Excellent.